Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment réaliser une maille serrée. Pour la maille serrée, on va se servir de notre chaînette et on va venir piquer, pas dans la première maille à partir du crochet, mais dans la deuxième. On pique dans la maille, on fait un jeté. Donc un jeté, c'est quand on va chercher le fil. Voyez le mouvement? On va chercher le fil. Et là, on se retrouve avec deux boucles sur le crochet. On retourne chercher le fil et on le passe à travers les deux boucles. Et là, on obtient une maille serrée. On continue donc dans le trou d'à côté, la petite maille, hop, on va chercher le fil. On obtient nos deux boucles. Et on passe à travers les deux boucles. Je vais vous en faire plusieurs. Donc au début, c'est pas très facile de travailler sur la chaînette, mais plus l'ouvrage grandit, plus ça va devenir facile. On pique dans la maille, on va chercher le fil, on reprend notre fil et on le passe à l'intérieur des deux boucles qu'il y a sur le crochet. Et là, on obtient des mailles serrées. Vous voyez, là, ça c'est une maille serrée. Et ici, vous avez la maille pour le rang suivant. Donc on va faire ça tout le long de notre chaînette. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la maille serrée. À bientôt pour l'explication des autres mailles.